Est-ce que vous voyez ce que j'ai appelé ce matin l'acrotonie? Ce qui est assez étonnant, c'est qu'au niveau altitude, on est vraiment, c'est contesté. Hein. C'est contesté. Hein. Mais à l'air, après, c'est assez faible. Il faut imaginer quand même que l'année dernière, on a fait une pousse de là à là. Et que cette année, on a fait qu'une pousse de là à là. Hein? Donc là, ça, ça a été là. Donc on a perdu la tête. Mais on a ici, entre ici et là, on a exactement la même chose qu'entre là et là. Hein. Donc on va un an, deux ans, et ouais, ça a peut-être deux ans, trois ans, quatre ans là. Et dans un cas comme ça, tu as un gobelet qui est en train de se former dans le multi-axe, qu'est-ce que tu fais? Oui, c'est un choix là. Ce qui m'intéresse de voir, c'est... il y a des considérations, plusieurs considérations. Il peut y avoir une considération mécanique. Donc je dois passer mon tracteur. Si je dois passer mon tracteur et que je me dis qu'un cerisier, même si là il est greffé probablement sur quelque chose de pas hyper vigoureux, il ne va pas faire 15 mètres, celui-là je crois pas. Il faut quand même imaginer que cette branche-là, quand elle fera 15 cm de diamètre, elle sera dans cet axe-là, et elle fera 15 cm de diamètre ici, et elle sera ici en fait. Hein, d'accord? Elle va pas se déplacer. Hein. Une branche qui naît à 1 mètre, elle reste à 1 mètre. Elle grossit en diamètre, elle s'allonge, mais elle reste un mètre. Mais celle-là, elle a encore une direction qui fait que probablement que si tu acceptes que cette branche-là ait encore une dynamique suffisante, elle va pouvoir arriver à concurrencer. Tout est encore possible. Après, le fait qu'il fasse plusieurs axes, moi, ce que j'ai juste à faire en tant que praticien, c'est de me dire, est-ce que ça fonctionne d'avoir une branche de 15, une branche de 15, une branche de 15, une branche de 15? Là, je dirais, bon, ça passe. Ça passe. Bon, c'est limite, hein. C'est limite, mais ça passe. La question, c'est que si j'ai ça, j'ai un cône d'insertion ici, un cône d'insertion là, un cône d'insertion là. Au niveau mécanique, ça m'inquiète. D'accord? Bon, ça m'inquiète là, mais c'est pas là que je devrais regarder, hein, parce que ailleurs, il y a pire. Là, ça passe. D'accord? Surtout que là, ce qu'on peut faire encore, et ce qui sera encore faisable de faire, bon, là, je pense que l'hydromorphie, ça ne doit pas l'aider. Enfin, en tout cas, il était fort au départ, et paf, tout d'un coup, il y a eu un problème. Il y a eu un problème. Ce qui sera encore faisable de faire, c'est de restimuler la croissance de cet axe-là pour essayer de faire en sorte de se dire, bon, mais moi, des branches basses ici, j'en veux pas, je veux un pommier de haute tige, parce que là, je suis sur des endroits où c'est du passage, donc je veux un cerisier de haute tige, et donc ma future branche basse, elle est là. En fait, ça, c'est du temporaire. Mais on l'a pas taillé comme ça, on l'a pas taillé pour ça. Hein. Mais ce serait presque encore faisable de réaliser ça sur cet arbre-là. Vous comprenez? Ça, c'est des branches qui sont temporaires. Ça veut pas dire qu'il faut les enlever tout de suite. Ça veut dire qu'il faut clairement les subordonner à l'axe principal. Ça, les arquer par exemple, ça peut être une solution. Les raccourcir, c'est une moins bonne solution. Le problème, c'est que si j'arque comme ça, je vais susciter la sortie de ces bourgeons-là. Mais ceux-là resteront vivants, donc l'énergie sera toujours distribuée entre celui-là et ceux-là. Si je taille comme ça, toute l'énergie va aller dans celui-là. Et il va aller concurrencer le haut, et c'est pas ce que je veux. Après, quand tu plies comme ça, mécaniquement, ce qui se passe, c'est que si tu stimules pas la croissance de ces bourgeons-là, là, ou si tu viens enlever en vert, par exemple, parce que c'est possible, on peut passer, et les jeunes pousses pas encore ligneuses, on peut les casser à la main, toutes celles qui sont dynamiques, de manière à ce que, au niveau hormonal, celles-là, elles descendent, et là, tu vas pas grossir en diamètre, et l'énergie va aller là, tu vas grossir en diamètre ici, et en 4-5 ans, en fait, t'auras une plaie, cette plaie-là aura presque pas grossi, et celle-là aura triplé, et ça, ce sera ridicule comme plaie. C'est l'idée, en fait, c'est quand tu as une grosse fourche. Ça, c'est l'idée de la taille de formation, en fait, finalement. Commencez pas par faire ce qui est beau, on s'en fout. Commencez par enlever la branche la plus grosse que l'on ne désire pas. C'est le plus important. Attaquez par ce qui est le plus urgent. Pas l'esthétique. L'esthétique, c'est vraiment secondaire. En taille de formation, commencez à aller chiquiter les petites branches comme ça, là, parce que ça fait pas joli. Ça, vous pouvez le faire, mais c'est juste pour que ce soit beau pour vous, quoi. Mais c'est pas le plus important. Il faut d'abord travailler sur la structure. Moi, pour l'instant, ce que je vois, c'est que là, j'ai un arbre, deux arbres, trois arbres, quatre arbres, cinq arbres. Hein, j'ai exactement le même comportement là que là. Et je vois bien que j'ai aucune action de lui sur lui, alors que pourtant, il est vertical. Alors que normalement,
je devrais, si j'avais pas donné ce coup de sécateur, avoir un comportement complètement différent de l'arbre. C'est pas un coup de sécateur, d'accord? Un exemple d'un arbre qui n'a pas eu de... Bah, on va aller, on va, tiens, voyons. Tout cela, il n'y en a aucun qui a été touché. Là, on voit que la structuration est bien différente encore. Mais malgré tout, on est vraiment sur un porte-greffe faible. Et là aussi, on commence à avoir des comportements indépendants les uns des autres. C'est-à-dire qu'on a la création de fourches dès cet âge-là, mais c'est lié au porte-greffe faible. Mmh. Ça va être délicat de regarder sur ces arbres-là. Parce qu'en fait, on a dans le porte-greffe faible, on a une accélération de la mise en forme. Parce que en fait, on a une énergie potentielle faible par rapport au nombre de bourgeons. En fait, c'est plus on multiplie le nombre de bourgeons, plus le porte-greffe faible il va s'arrêter. C'est-à-dire porte-greffe faible, c'est-à-dire qu'il a une faible vigueur. Hein? Donc pour fonctionner, il a besoin de sol extrêmement poussant. Et donc là, on s'aperçoit que déjà, il est dans une espèce de multiplication et il va sans doute d'ores et déjà commencer à faire des fruits l'année prochaine. À la base de chaque clavoyer, on a des chiffons, des brindilles couronnées. Et donc en fait, on se retrouve avec un arbre qui déjà est en train de se structurer. Alors que normalement, sur un arbre plus libre ou avec un porte-greffe un peu plus vigoureux, on ne serait pas du tout dans cette configuration-là. Donc là, on a déjà un début d'indépendance et de création de fourches sur ces axes-là. Bon. C'est moins intéressant à garder. Et puis là, ce que vous avez à faire, c'est simplement, à partir de maintenant, faire en sorte que chaque branche reçoive suffisamment de lumière. Et après, les porte-greffes faibles, vous n'avez pas à les tailler. Quoi. Il n'y a pas besoin de les tailler. Si on diminue le nombre de bourgeons, on augmente le signal sur chaque bourgeon. Mais là, vous voyez comment on est déjà multiplié. Donc, c'est-à-dire que là, la crotonie va se positionner là l'année prochaine. Donc là, on a trois départs qui vont se faire. Trois départs. C'est exponentiel. Voilà. Donc là, s'il n'y a rien qui suit au niveau alimentation, c'est même dangereux au niveau physiologique, au niveau énergétique. C'est souvent, ce qu'on dit, c'est que les porte-greffes faibles, c'est bien, dans un sol très vigoureux. Ouais. Mais là, on voit que, en tout cas, le pommier franc, il s'accommode pas trop mal de l'hydromorphie. Non. Ouais. Il est arrivé tout seul à aller chercher sans doute des couches un peu plus aérées. Quoi. Il y en a moins d'eau. Ouais. D'ailleurs, on le voit, la pousse là, c'est ça paraît. Là, c'est vrai, la pousse est ciel. Après, c'est notre variété. Ah ouais? Non. Si, ouais. 1, 2, 3, 4. C'est les trois mêmes. C'est noté quelque part. Normalement, il y en a trois qui sont pareils. Donc, on voit quand même que ça se comporte vraiment différemment là. Hein. Mais là, on voit que la fourche de la branche latérale a pris dessus sur l'axe. L'axe original. Ouais. Donc, du coup, si on l'aurait arrivé avant, on aurait pu dire. Bon, après ça. Est-ce que ça pose problème ça? Que cette branche là, elle est codominée et puis finalement elle est finie par dominer parce que là, ça a avorté. Ça fait pas une fragilité là au niveau de la fourche. C'est chiant. Il peut y avoir un risque en fait là de phénomène d'écorce incluse. Ouais. C'est-à-dire de croissance. Là comme l'angle il est aigu, en croissant en diamètre, en fait ça va être écorce contre écorce au bout d'un moment, croissant en diamètre, et écorce contre écorce, la soudure elle marche pas. Oui. Elle n'est pas fonctionnelle. Donc en fait, ça va grossir et se repousser. Au bout d'un moment, ça risque de fendre et s'ouvrir comme ça. Et quand l'arbre, là, quand ça fera 15, ans, et ça 15, il va se casser. Il y a des chances. Ouais, voilà. Il aura peut-être un sacrifié. Ça c'est des choses qui sont faisables. Hein. Moi, je m'amuse à le faire. C'est-à-dire que tu pourrais très bien souder cette branche-là et cette branche-là, par exemple. Ah oui. C'est-à-dire que tu enlèves l'écorce là, l'écorce, tu les mets comme ça, là tu mets une vis à bois. Ouais. Et puis ça se. Bon, moi je m'amuse plus à faire des choses qui entourent, puisqu'en fait ça strangule. Oui. Donc la vis à bois, elle pose aucun problème, elle. Oui, elle est intégrée. Elle est intégrée et puis elle se retrouve intégrée dans le bois. Bon, c'est problématique pour le bûcheron, mais. C'est surtout. Ouais, voilà, c'est ça. Ça sera pas toi qui va le faire. Mais là, c'est sûr que là tu crées un espèce de pont. On appelle ça une anastomose quand ça se fait naturellement. Ouais. Mais d'ailleurs non naturel aussi. On crée une anastomose. Bon après, du coup, il y a une autre manière, c'est d'agir. Soit d'ailleurs en pliant. Oui. On peut très bien faire ça. Et puis ça.
en se disant que en faisant en diminuant ça, en fait, on va clairement stimuler encore cette branche là et limiter la croissance de celle là ce qui fait qu'en grossissant énormément, celle-ci va se retrouver petit à petit non seulement à pencher un peu, mais surtout à si elle reste comme ça et que là ici ça c'est comme ça, oui, ça sera plus solide. On n'aura pas de problème, on pourra finir par couper cette branche là tranquillement. Mais tu vois, moi je trouve ça étonnant que tu regardes ça, c'est joli, c'est vigoureux, alors si tu les sépares, tu vois, là t'as un truc qui a l'impression qu'il est un peu foiré. Ouais, mais regarde, il refait pareil là, regarde. Oui. Tu vois, il refait pareil là. C'est son système génétique. Là, c'est génétique. Ouais. Non, mais ils font tous un peu ça. Donc, on a de l'acrotonie. Et on a de une forte acrotonie et une moyenne dominance apicale. Oui. Pas très forte. Hein? Donc, on peut avoir et de l'acrotonie et une faible dominance apicale. C'est fou quand même comme truc. Ah, ouais. Ça favorise l'apparition des fourches. Donc grosso modo, c'est ça. L'arbre de toute seule va faire un gobelet si on les laisse, ouais. Sauf si on les dirige autrement. Les gens savent qu'un gobelet assez d'auteur, ça nous emmerde. Après, quand même. La récolte pour les. Ça, c'est vertical, ouais, et ça, c'est quand même un petit peu horizontal. Donc il y a de fortes chances que, quand même, malgré tout, ce soit quand même l'axe principal qui gagne. Ouais. Hein? Là, ça a fonctionné comme ça parce qu'effectivement, à la plantation, il y a eu un petit coup. Il s'est un peu assis et après on a eu la prise de relais d'une branche latérale, comme ici on a la prise de relais, regarde, ça s'est arrêté et c'est celle-là qui a pris le relais. Bon, on pourrait s'amuser très bien à faire ça, on pourrait très bien s'amuser à se dire que ce qu'on veut pas, c'est que sa concurrence, est-ce qu'on veut une fourche, on veut pas vraiment de fourche, donc on pourrait s'amuser à dire je taille sur des rameaux courts, d'accord, donc ça voudrait dire je vais supprimer plus les branches dynamiques de manière à favoriser la branche principale ici là, donc là je vais stimuler, donc je vais tailler sur les rameaux, vous voyez, les plus courts, je pourrais tailler encore sur des rameaux plus courts, mais après c'est des bourgeons à fleurs, donc là je limite ça, et puis bon, dans l'absolu là je pense qu'il va quand même gagner la course, mais on pourrait oui. S'imaginer limiter la croissance là comme ça en donnant la priorité à celui-ci. Bon, on peut le faire. Ça va continuer à partir ici, mais ce que je veux, c'est que ça soit clairement subordonné à l'axe là. Hein? À la limite, je pourrais aussi très bien mettre un morceau de bois qui fait comme ça là. Et je pense que je ne serais pas perdant à simplement avoir fait ça. Bon, c'est toujours plus facile de donner un coup de sécateur que de prendre une ficelle et de tordre la branche. Ça va plus vite. Mais c'est plus efficace de tordre la branche. Alors après, il y a une autre technique, mais c'est plus violent. Ouais. C'est de casser comme ça. Ouais. Ça fonctionne aussi. Parce qu'en fait, la circulation passe ici encore là, à l'intérieur. Ça fonctionne. Bon, moi, ça ne me choque plus maintenant, mais ça m'a choqué à un moment, jusqu'à ce que je rencontre un arbre qui l'ait fait tout seul, en fait. C'est comme ça que je l'ai appris, c'est-à-dire qu'un arbre, il a pris un coup d'orage, donc c'était un arbre avec plein de concurrence, comme ça. Ah, il y a plein de manches qui se sont cassées, et après, donc du coup, il y a eu comme une sélection naturelle des rejets, c'est un poirier qui m'a appris ça, hein. Une sélection naturelle des rejets avec ses branches pliées, je ne comprenais pas, je me disais, mais pourquoi ces branches, elles font des angles droits, là? Et puis, j'ai compris, je dis mais qui c'est qui a cassé, et puis en fait il s'avère qu'ils étaient toutes plus ou moins dans le même sens, et ça avait super bien fonctionné, et donc il y a eu une hiérarchisation qui s'est passée simplement avec un coup d'orage comme ça, donc ça c'est une bonne action, c'est une bonne manière de fonctionner, ouais. Parce que ça fait plus que l'arcure, ça fait le même effet à peu près, mais c'est plus facile à faire. Ah oui, voilà, bien sûr. Mais par contre, ça fait pas le même effet totalement, parce que l'arcure, on a tendance à prendre et à ouvrir, alors que là, on crée un angle droit. Hein? Donc sur la structuration dans l'espace, c'est un peu différent. Et dans la... Mais bon, ça cicatrise pas les arbres, alors du coup, c'est pas... Dans la cure... Oui, il faut quand même qu'il ferme l'air qui rentre. Mais l'air rentre aussi. Enfin, quand on fait ça, elle rentre aussi. Mais c'est vrai que quand on fait ça, elle rentre pas. Oui, voilà, c'est ça. Par rapport à l'arcure, c'est beaucoup moins traumatisant. Voilà. Et puis on laisse le nombre de bourgeons. Oui. Mais là, on laisse aussi le nombre de bourgeons. Oui. À peu près. Il y aura une mise à fruit dans l'arcure. Souvent, il y a une mise à fruit là. Hein. L'arcure, c'est. Voilà. Aussi. Mais là, il y a une blessure. Donc, ça peut casser.
Bon, voilà. Alors que l'arcure favorise la mirage d'Afrique. Voilà, et là, en fait, en suivant la logique qu'on a vue ce matin, là, le plus probable, c'est que la bigorre de la branche continue à être et va démarrer tous les bourgeons latéraux. Les couples, les deux couples qu'on a fait là-haut. Ici, là. Ouais. Donc, il va démarrer ces bourgeons-là. Il y aura tous les bourgeons qui sont déjà juste là, qui vont se réveiller parce que l'hiver n'est pas là pour l'hiver hormonalement. Du coup, on aura 3 mini-gobelets à chacune de les branches. C'est ça. Oui. On les aurait eu quand même, hein, puisqu'en non, fait, celle-là qui n'a pas été limitée, on aura les 3 gobelets ici, là. Hein? On les aurait eu quand même. On a simplement, en coupant le bois donnant, ça c'est quelque chose qu'on peut faire, la réduction sur du bois donnant, qu'on peut faire sans déstructurer l'architecture. Puisqu'en fait, on déplace la crotonie, qui est là, on la déplace là. Hein? De là, on la déplace à la coupe. Donc en fait, au lieu que l'apex ce soit lui, ça devient lui. Dans les cas que, oui, qu'on prévoit une ramification, parce que ça aurait pu continuer à étaler dans la verticale, bien sûr, les divisions de tous les bourgeons. Tu vois qu'est-ce que je veux dire ? Est-ce qu'on est sûr de que cette branche va se réveiller ça, il ne va pas continuer par là ? Ben, en fait, on l'observe là. Oui, on voit comment il fonctionne là. Tu vois, on voit que c'est les 1, 2, 3, 4, 5, 6 bourgeons du bout qui démarrent. Donc en fait, là, je les retrouve là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hein, ok. Donc, bah, 6 peut-être pas, parce qu'en fait, là, on est passé de 1 à 6, à 6 fois 6, 36. Donc non, probablement que ce n'est pas toutes les branches. D'accord. Et donc, c'est ce qui fait que la ramification se calme et qu'on ralentit la croissance et que la croissance se stabilise, c'est bien la force du système racinaire. C'est l'énergie potentielle qui est capable de rentrer dans l'arbre qui fait que le nombre de bourgeons qui correspond au sol... alors, il y a des fois, on a un arbre, il va pouvoir faire plein de bourgeons, être très dense comme ça, puis végéter, et d'un coup... Bam, il va se mettre à faire des grands rejets. Pourquoi ? Ben simplement parce que des fois, eh ben, par exemple, il y a une couche d'argile, il a percé la couche d'argile et tout d'un coup, derrière, c'est magique, quoi, ce qu'il trouve. Et donc, il retrouve avec un potentiel de croissance bien supérieur et pouah, il refait des grands rejets, il va restructurer. Alors, c'est un peu compliqué à suivre, là, hein, mais c'est possible. Du coup, là, l'intérêt, c'est quand même que du coup, la division, là, elle reparte plus près, que ça la rassemble, ça peut avoir l'intérêt de la re-rassembler. Eh bien, sur le pêcher, par exemple, moi, pour moi, ça en a vachement de l'intérêt. Oui, sur le pêcher, c'est clair. Là, sur le cerisier, moi, ce que je voulais faire, c'était juste faire en sorte que l'altitude soit supérieure ici. Et là, c'était subjectif, hein. Je l'ai fait par démonstration, mais c'était pas nécessaire. Hein. À terme, moi ça m'embête d'avoir une fourche juste là. Ouais. C'est pour ça que j'ai réduit ça sur Ramoco, il faudrait que je finisse le travail. Donc je pourrais même aller le chercher là. Bon après ça c'est une fleur, mais c'est pas grave, hein, ça va être vivant, ça va faire une réitération traumatique là. Oui. Hein. Mais ce que je veux c'est que, à la limite, il faudrait, enfin, le mieux ça aurait été de plier, hein, on est d'accord. Mais je fais ça, je me permets, mais c'est vrai que c'est vraiment important de ne pas laisser ça. Oui, oui. Vous allez le regretter plus tard sinon. Hein. Mais il faut pas, on peut pas le faire tout de suite. De supprimer la branche là. Oui. C'est vraiment risqué. Ouais, c'est vraiment risqué. C'est vrai que si moi j'avais 1000 arbres à faire, j'aurais tendance à pas m'emmerder, à couper directement là, quoi. Hein. Prendre deux faibles là, bam, couper là. Ok, j'aurais des rejets là, mais au printemps, en passant, en marchant, crac, les rejets. Et donc je favorise vraiment directement ça. Enfin, j'ai pas le temps de. Après, si on veut vraiment faire gaffe avec l'arbre. Et dès que le diamètre devient plus intéressant, bon, c'est là où c'est 50%, je sais pas trop, tu vois. Mais l'idée, c'est se dire, bon, il en est là. À chaque fois, tous les ans, il a tendance à faire une grosse croissance en diamètre. Là, je peux me permettre. Ben dis donc, là, il est crevard, il pousse vraiment pas. Je peux peut-être pas me permettre d'enlever une branche qui représente 50%, quoi. C'est vraiment délicat parce qu'il va mettre beaucoup de temps à la recouvrir. Vous voyez, peut-être, j'ai dit recouvrir, j'ai pas dit cicatriser. Recouvrir. Un arbre, ça recouvre, en fait. Ça cicatrise pas. C'est la cicatrisation, ça voudrait dire que là, au milieu de mon bois, j'ai de nouveau des vaisseaux qui se forment et un cambium qui se forme. Et c'est pas le cas. En fait, c'est simplement l'arbre de l'année prochaine qui, en grossissant, va recouvrir par-dessus et se retrouver à recouvrir et à refermer progressivement la plaie. Mais j'ai pas de... Donc, en refermant la plaie, il crée une étanchéité qui fait qu'il n'y a pas d'oxygène et qui fait qu'un champignon potentiellement
a pu se poser ici, germer, mais n'arrivera pas à décomposer le bois parce qu'il n'y aura pas d'oxygène à l'intérieur. D'accord. Mais là, en tout cas, on est d'accord que dans cette option de taille, le recouvrement est impossible. Là, ici ? Non, là, dans cette... La pointe, ça là, là, jamais va ça. Si, si, mais il va être possible, c'est-à-dire que là, ça va pousser ici, tu vois. Ça va, il va y avoir, l'année prochaine, il va y avoir un rejet, il va y avoir un rejet probablement comme ça, là. Hein? Et donc, ce rejet, là, vous voyez, ouais, on commence à le voir, le recouvrement, là, ouais. Ben voilà, exactement, c'est ça, là. Bon, si tu es dans le cadre, elle figure comme un chicot, comme ça. La sortie de l'Elbourgeon, c'est la distance en fait. C'est ouais, c'est très Chico. Très c'est, près du c'est la taille de Chico. Attends, d'ailleurs, j'aurais pu en profiter là. Couper trop haut. Vous voyez là, quand, si je dois supprimer des branches là, je vais couper ici. Oui. Je vais surtout pas couper plus court comme ça, surtout pas. Hein? Donc si je continue à supprimer, je supprime que la branche, j'essaie de surtout pas supprimer le support. Si je descends plus bas, je touche la branche qui porte. Hein? Voilà, du bourrelet. Ouais. Donc là, ce que je voulais faire, c'était ouvrir ça. Vous voyez la coupe là? Et on voit que la pousse de 1 an, regardez, si je regarde, la pousse était comme ça, il était comme ça là. Vous voyez la tige? Ouais, c'est recouvert en tout cas. Ouais. Est-ce que vous voyez, regardez où ça descend là? Vous voyez où ça descend là? Tout ça, c'est abandonné par l'arbre là. Les vaisseaux, ils sont plus utilisables. D'accord? On a réduit la longueur. Les vaisseaux sont plus utilisables. On voit là ici un phénomène de compartimentation. Vous le voyez là? Parce qu'on a réduit en longueur. Si on supprime l'axe, c'est autre chose. Hein. On supprime l'axe là. J'enlève mon axe, mais je garde le bourrelet et la ride qui correspondent bien à ce qu'il y a en dessous là. Hein? C'est la même chose. Donc là, j'ai supprimé que la branche. Donc là, la mortalité, elle va pouvoir se faire que sur le petit chicot qu'il y a ici. Alors que si je coupe ici, je tape vraiment dans les vaisseaux qui sont là et je vais avoir une décomposition ici. Là, ça a été juste diminué en longueur. C'est pour ça qu'on a une mortalité sur la longueur. Ça a été diminué comme ça. Okay. Et donc du coup là ce que je retrouve, mais le trait que je vous montre là, c'est la forme de c'est exactement jusqu'à la forme. Jusqu'à a priori du coup ça va. Enfin non là, ah ouais, jusqu'au prochain en haut, jusqu'à ça va. La prochaine. Ouais, ouais. Enfin, au prochain ancrage. Et donc là on voit bien le phénomène de recouvrement avec la pousse de 1 an qui monte par-dessus le chicot. Oui, vous voyez? Ouais. Hein. Et voilà, donc du coup on va avoir une branche qui va sortir là et qui va recouvrir là progressivement exactement comme celle-ci l'a fait là. Du coup ce que tu as fait là, ça va tous les vaisseaux jusqu'ici vont ouais. progressivement il y a des chances. C'est pour ça que du coup l'arcure sur des arbres un peu jeunes, l'arcure c'est mieux quand même. C'est mieux. Parce que du coup vraiment on sauvegarde des vaisseaux quoi. Ah, donc il y a de la circulation. Il faut essayer d'arrêter le sécateur dans la mesure du possible. Ouais. L'arcure c'est mieux. Même si, malgré tout, quand même, il faut prendre en considération que c'est exponentiel. Que là, une plaie de ce diamètre-là, c'est peanuts voilà. Sur la vie de l'arbre. Vaut mieux la faire maintenant que galérer pendant 30 ans. Quoi. Avec une grosse scie ou une tronçonneuse à un moment. Ouais, voilà. Donc là, tant qu'on y est, il faut le faire. Avec l'arcure, tu as moins de transfert de vigueur. En haut. Et oui. Si l'idée c'est de favoriser le pour que dans 3 ans. Ouais. Dans l'année prochaine, coupé là. T'as moins de transfert de vigueur. Oui, vu que tu gardes les branches à picot. Elle va plus là-bas. Qu'elle va là, c'est con. Mais... Oui, voilà. Mais là, en taillant, elle vient là aussi quand même. Hein. Je veux dire, parce que là, on va avoir des jeunes rejets. Ces jeunes rejets, quand ils vont pousser, ils vont faire de l'auxine. Ouais, mais c'est là qu'il faut faire de la taillant. Voilà, c'est ça. C'est là qu'il faut travailler sur le taillant. C'est vraiment intéressant de retailler en vert. Ça, au mois de juin, il faut tous les rejets qu'il y a là-dessus. Alors, clairement, la taille en vert, c'est un moment magique. Parce qu'en fait, on se retrouve à casser les tiges et à sélectionner, tac, 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 les tiges. Et il n'y a aucun impact direct physiologiquement. C'est simplement, on dirige l'énergie sur ce qu'on veut conserver. Et en plus, ça reste. Puisque l'arbre est dans un moment où il retransfère ses réserves. Et donc, après, il ne va pas réagir ou très, très peu. Enfin, si vous enlevez beaucoup, forcément, il va le faire. Mais jusqu'à ce qu'il retrouve son équilibre, jusqu'à ce qu'il trouve son équilibre entre la croissance racinaire de l'automne d'avant, du printemps, et ce qu'il est en train de faire maintenant.